Yo l'autre fois, gros bonjour à tout le monde. Merci parce que avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager et intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que vous avez une information sans problème. Le premier ministre haïtien, Dr. Ariel Henry, a lancé hier, mercredi 16 février 2022, à conférence en donateur pour reconstruire le grand sud pays. Il y a une quantité de 600 millions de dollars. C'est à quoi la communauté internationale a décidé de bailler le gouvernement haïtien pour une période de 4 années pour être capable de reconstruire le grand sud qui était frappé en bas tremblement de terre 14 autant passé. Pour l'université d'Haïti a réclamé libération immédiate étudiant Fabiola Payen bandi exam te kidnappé dans Port-au-Prince. Action ça te passé avant hier côté que monsieur exam te débarqué dans rue Oswald Durand pour te aller étudiant en première année. Pays Canada a annoncé un montant de 19 millions de dollars pour le bail séparément que bon côté communauté internationale là pour aider relever grand sud là qui était frappé dans tremblement de terre. Ministre de justice là t'a envoyé une liste à 9 juge à Bahia CSPJ pour choisir trois juges en cours de cassation. Pouvoir exécutif judiciaire avec un judiciaire t'assemblé divisé sous nomination juge en cours de cassation. Dominicaine a annoncé lever toutes mesures qui gagnaient à ouais avec maladie COVID-19 là. Kounila, moun ka marché sans masse, sans rien en République et à la prendre l'autre activité en République Dominicaine. C'est seulement 4 vaccinations seulement. Yo mandé ou pas besoin de test pour aller en République Dominicaine. Jeudi, c'est jeudi 17 février 2022. Nous allons entrer avec un détail d'information, mais avant, on a regardé comment temps y est, puisque depuis hier, on vent cap vanté sous pleine Gonaïve. Ça permet de commencer à traper grippe. Il y a pile poussière, pas de la pluie cap tombé. Et vent ça, pour combien de temps la durée, on a le droit tout ça nous avec Chrisnette. Bonjour Chrisnette. Bonjour la jeunesse haïtienne. Nous commençons la situation en présenté dans Caraïbes Black sous Atlantique. Bonjour auditeurs, auditrices. Ça nous pas oublier internautes. Nous avons gagné une zone côté pression en pire sous Atlantique. C'est lui-même qui continue à assécher l'humidité qui vient dans Masléa et qui rend Masléa de temps en temps plus stable sur nos niveaux bassins Caraïbes. Activité la pio, c'est ça la journée, et c'est localio qui va faciliter grand-est, sud, nord-ouest, bénéficier qui activité la pluie pour Asoya. Pour Port-au-Prince, Aston qui entoure Nio, pas de gros chose pour Port-au-Prince, ça va se voir, activité la pluie pour Asoya. La pluie à son temps, ça a bien soleil, a bien vent, lui-même cap soufflé de temps en temps, plus fort, pendant une journée, a bien nuage cap développé, non, après-midi, nous avons gagné un ciel qui vient d'étoiles pour assouer encore. Pour la meilleure, c'est encore prudence, précaution souple, zone côte chaîneur pour flagrant, à zone côte sud, côté pas coupé juste à 27 nœuds, hauteur radio à élevé à 8 pieds, nous sommes la meilleure montée en pile, nous avons des voiliers, chaleurs, bois fouillés, éviter souple, nous sommes la meilleure par rapport ensemble avec ici à ce plan que c'est devant lui-même. De temps en temps, pis fort. Soleil là, il y a pleuvé matin à 6h16, c'est la poussée à 5h49, pour lever vendredi matin à 6h16. Température à virecol entre 28 à 34 degrés Celsius en moyenne, et la tombée dans la nuit là entre 18 à 24 degrés Celsius en moyenne. Cela nous mettait au bout, dans ça qui gagne pour nous, dans ça fait météo. N'a remercié la belle équipe, auditeurs, auditrices, internautes un peu partout. Nous souhaitons passer un bon jeudi. Rendez-vous pas maintenant pour nous informer. C'est pour le coup demain, vendredi, cap venu là. Bonne journée, messieurs. Bonne journée, Chrisnette. Nous allons rentrer dans le bleu avec des informations. Mais il faut nous dire que matin, la situation en Port-au-Prince est levée, même j'en dis hier. Il y a des côtés manifestations ouvriers et ouvriers une sous-traitance. Ils ont déjà campé devant le Brasserie National, là, Brana. Ils n'ont pas campé, ils n'ont pas décidé de bouger quoi. Donc, il y a pas préparé pour prendre la rue matin, si vous pas déjà dans la rue.
et puis il y a une route frère situation en tête chargée dans zone peignée donc il y a un pile coup de zame qui t'a tiré matin environ de 8h par 8h30 zone pour t'a éviter so gen fòm moun k'ap viv nan route frère nan port au prince en fonti coup de fil pande yo comment oui et puis route là li bloqué en direction de Pétionville puisque il y a une réaction k'ap fait à cause d'un enlèvement qui t'a fait dans la zone peignée 17 matin c'est ça qui t'a soulevé réaction ça grand matin dans port au prince on a regardé comment situation y est gagné premier ministre haïtien Ariel Henry qui lancé hier activité qui était gagné pour recevoir l'argent dans la communauté internationale là pour aider Grand Sud-Lan c'était lancement conférence donateur pour reconstruire tout le département Grand Sud-Lan d'après information que tu as venu de nous premier ministre Ariel Henry était possédé hier mercredi 16 février 2022 à la Pétionville lancement conférence donateur pour financer reconstruction après pour le tremblement de terre qui était frappé toute la péninsule sud là selon chef gouvernement événement ça c'est une étape très importante dans le cadre de mobilisation pour être capable de travailler et puis faire face carré avec les conséquences économiques sociales qui ont saccagé le pays. Le premier ministre, dans la déclaration, fait connaître que les quoi que moment ça son moment extrêmement important côté international là lui même mette quoi ensemble avec le gouvernement pour essayer de capable consolider Grand Sud là dans mouvement de solidarité envers population d'après sa chef gouvernement déclaré alors on dit que communauté internationale là engagé là pour bailler $600 millions américains pour capable reconstruire Grand Sud là pays dans cadre de conférence internationale donateur qui organisé hier mercredi 16 février 2022 à dans Port-au-Prince. Malgré le gouvernement, il dit au besoin seulement $2 milliards pour remettre la Grand Sud-Lan sous des pieds. Après passage de l'établissement de terre 14 août, l'agence qui est pour le ramasser, pour le dépenser sous 4 années, d'après ça, chef gouvernement haïtien, Dr. Ariel Henry, qui reconnaît l'IPAT espéré joindre toute l'agence, chef primatulant, remercier tout le partenaire international, l'IBAI garanti l'agence a pas fait autre cochon même dans sa défaite dans l'année 2010. En dans les déclarations, premier ministre haïtien, Dr. Ariel Henry. L'évaluation a estimé les besoins à près de $2 milliards américains, dont les secteurs les plus touchés sont le logement pour $815 millions, l'éducation pour $326 millions américains, les transports pour $152 millions américains, le commerce et l'industrie pour $148 millions américains. S'agissant du plan de relèvement intégré de la péninsule sud, il se concentre sur la prévention et la gestion des risques et désastres naturels futurs et comprend 4 axes stratégiques, à savoir la gouvernance du relèvement, le relèvement économique, les infrastructures résilientes, l'aménagement du territoire et l'amélioration des conditions de vie de la population, et enfin, l'inclusion et la protection sociale. Le plan d'action du relèvement intégré de la péninsule du Sud sera financé sur 4 ans, c'est-à-dire du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2025. Concernant l'annonce des contributions par les États et partenaires internationaux, nous avons obtenu un montant total de $600 millions américains. Un geste de solidarité qui va au-delà de nos espérances. Je veux aussi affirmer que l'État haïtien s'engage à travers le Trésor public à financer le PRIPS à hauteur de 10 milliards de gourdes sur 4 ans, à raison de 2,5 milliards de gourdes par année, sur le programme d'investissement public. Je veux saluer la solidarité et l'engagement de la communauté internationale dans sa volonté de soutenir les objectifs de cette conférence. Je remercie l'ensemble des partenaires internationaux qui ont fait une contribution pour financer la reconstruction de la péninsule sud. Particulièrement, je salue et remercie le président de la République de Cuba, son Excellence Miguel Díaz-Canel, pour son ferme engagement de supporter et de continuer à raffermir les liens de coopération avec Haïti. Je veux terminer ce point de presse en affirmant que cette mobilisation devait être l'acteur fondateur de nouveaux partenariats entre l'État
et les acteurs internationaux. Et je crois fermement qu'elle bénéficiera grandement à la population de la péninsule sud. Elle doit aussi servir au renforcement de la résilience du pays face aux catastrophes naturelles et à reconstruire autrement en Haïti. Nous promettons tout le monde, tout donateur, l'agence a pral bien utilisé dans la transparence au service monde dans le grand sud. Nous connaissons l'argent contribuable l'autre pays. Nous veillons à ce que chaque grain de dollar rejoigne monde qui plus besoin. Nous avons obtenu une déclaration du premier ministre haïtien, Dr. Ariel Henry. Communauté internationale a engagé pour bailler 6 millions de dollars américains pour capable reconstruire dans le sud pays dans le cadre de la conférence internationale donateur qui était organisée mercredi 16 février 2022 à Port-au-Prince. Malgré le gouvernement, il dit au besoin 2 millions de dollars à 2 milliards de dollars américains pour y mettre le sud-là sous les pieds. Après le passage à tremblement de terre 14 août 2021, l'argent qui pourra le ramasser pourra le dépenser sous 4 années d'après le chef gouvernement haïtien, Dr. Ariel Henry, qui reconnaît qu'il pourra l'impacte espérer joindre toute l'argent ça. Chef primature, remercier tout partenaire international Lio, Libaya garantit l'agence a pas dépassé dans mauvaises conditions. Mais le secrétaire général en après ONU, Anima Mohamed, remercier toute agence internationale qui a montré volonté pour changer visage à pays d'Haïti. Anima Mohamed félicite le gouvernement qui présentait un plan bien structuré pour recamper le sud-là. Cependant, diplomate l'a annoncé pour mettre sous pied un programme spécial pour superviser réparation ou bien on dit réception et décaissement l'agence dans l'idée pour capable plus bien appliquer plan redressement. Diplomate là bay garantie Nations Unies a toujours été bon côté peuple haïtien. En temps de déclaration secrétaire général en après Nations Unies Amina Mohamed. United Nations is committed to supporting the government's response whether in a post-disaster earthquake context or more broadly in its development plans and commitments to reach the SDG targets. Nations Unies comme organisation li rete solidaire, li continue à marcher avec gouvernement haïtien pour non seulement améliorer situation sud là après catastrophe là, mais d'une manière plus générale pour continuer à accompagner l'État haïtien dans effort de relèvement de l'ensemble du pays à travers des projets ciblés. Événement jeudi, c'est un excellent exemple de un plan bien structuré que l'État présentait pour activité relèvement qui est envisagé et plus spécialement à travers programme que relève PRIPS là. Jeudi à tout, nous très contents d'annoncer la mise en place d'un programme spécial qui pourra superviser réception et décaissement fonds de manière la plus transparente, la mieux organisée pour une bonne application de plan de relève du Sud. Tout effort qui annoncé jeudi, tout travail qui programmé pour relèvement Sud-là, yo inscrit tout dans un plan qui plus large, qui a travaillé sur une meilleure capacité de pays de faire face à des catastrophes naturelles, tant en termes de prévention que de gestion. Faut nous garder en tête nous que travail qui était pour nous faire néanmoins en pile, parce que en dépit de efforts qui actuellement à organiser et qui pourra le déployer sur une période d'à peu près 4 à 5 ans, bien une grande partie de la population, près de 4,8 millions d'habitants, qui jusqu'à présent ont besoin urgent d'une assistance. Dans ce sens-là, l'État, Nations Unies, toute agence partenaire et toute barrière a compté sur l'effort de coordination qui a fait pour un bon déploiement de plan ça. Journée jeudi, nous sommes témoins de présentation par l'État haïtien de un plan structuré qui engage
à faire bonne utilisation de tout effort de solidarité ça qui fait en faveur de relèvement de Presqu'île du Sud là. Même Jean-Tout, nous t'es témoin de engagement de plusieurs agences internationales, de plusieurs autres pays qui étaient présents dans la conférence là, pour yo continuer à accompagner Haïti dans l'effort de relèvement que l'a fait aujourd'hui. Et nous espérer que deux séries efforts de chaque côté pour contribuer à améliorer la situation en Haïti bientôt sur tous les plans pour permettre que Mounio vive dans de meilleures conditions. Nous avons les déclarations Madame Amina Mohamed, qui est secrétaire générale en après Nations Unies, dans la déclaration le fait pendant que nous lancé la conférence à Yen à Port-au-Prince. Diverses délégations qui sont sorties dans le Grand Sud ont été venues assister à l'activité. Ancien député Pestella, dans le département de ce pays, Ronald Etienne, lancé une mise en garde pour l'argent qui pourrait la dépenser dans le cadre de programme ça. Pas gaspillé, même Jean à CIRH. Ancien député a souhaité bailler suivre des postes à ONG. Ounala Etienne a souhaité Kobla investir dans le projet durable. Tant qu'on investit dans le secteur touristique là, dans la commune Pestel qui gagne la mer, qui gagne la mer comme richesse. En tant que déclaration, Ounala Etienne. Nous jugeons présence important là, que normalement pour que l'idée mieux peut-être qu'a servi à certains bailleurs qui toutes les fois nous vont les abbailler comme là, mais ils n'ont pas déterminé dans quelles conditions que comme là est fini dans le pays d'Haïti et que comme ça au lieu là les fonds travail sérieux dans le pays à comme état rien, nous vont des fois atterrir dans poche certains mondes dans le gouvernement et certaines ONG. On qui est censé spécialiser dans le domaine ça. On voit nous plusieurs cas, nous avons janvier comme CIRH là, comme on était gagoté et dans votre CIRH là, la voix du député Ronald Etienne, c'était ça, été annoncé. Comprendre que sur l'argent qui va gagoter et nous c'est une voix qui voté contre CIRH la façon de organiser. Et bien c'est même j'entoure parce que les grands accapareurs pour la prêter pour y aller derrière comme ça, je veux dire. Et nous voulons faire, nous voulons mettre des balises, mais nous voulons annoncer aux bailleurs et aux peuples haïtiens pour contrôler monsieur, contrôler ONG pour que cette fois-ci nous quitter la population bénéficier de projets qu'il y a financé et que non seulement tout nous va t'arriver que son forme d'assistana ou bien de venir sauver mes malheureux bon bon ça dit venir travailler dans ces deux projets humanitaires et puis pour projets structurants bon bon pour éliminer eux. On obtient des déclarations ancien député département Gadaslan Ronald Etienne alors plutôt député commune Pestella qui t'a parlé dans un cadre réunion ça qui fait hier lancement programme ça. Fondi dans mon a parlé là gain gros manifestation qui déjà dérapé dans Port-au-Prince côté manifestants au point la rue avec barricade commencé dresser par en pile activité en main yo pour capable prendre la rue pour continuer réclamer 1500 goud et yo dit que yo voulait comme salaire minimum. Attention ça et commencé depuis sur route aéroport matin mais fondi hier yo était plusieurs centaines qui étaient prendre la rue dans Port-au-Prince côté que yo même yo t'ap essayer et garder comment yo capable de faire pression pour joindre comme si là plusieurs centaines ouvriers ont manifesté à mercredi 16 février à Port-au-Prince pour exiger 1500 goud comme salaire minimum. Manifestation ça te fait commencer ailleurs et la police s'est écrasé li à gaz à lacrymogène. Protestateurs te regroupé pour te continuer pour en route Delma pour aller devant résidence officielle premier ministre. Yo te boulé caoutchouc sur toute route là ou Delma mette barricade accroche pour empêcher machine circulé ouvrier Zayo te rivé miso devant kay premier ministre là ou te al délivré yon message. Coordonnateur général CNOA Dominique Saint-Éloi dénoncé complot li di k'ap fait pour c'est seulement 25 goud yon mete sur 500 goud yon tap touché déjà. Yon autre bon coordonnateur général association agent sécurité professionnelle Junior de Rose mandé premier ministre pour réfléchir pour payer l'argent yon mandé. En dans les déclarations yon après l'autre Dominique Saint-Éloi avec Junior de Rose ailleurs dans manifestation qui était organisée.
Je dis à 500 gouttes à l'aide de kilos là, vous priez au pas gagner rien encore pour le supporter. Je dis à nous vindi, avec Ariel Henry, nous allons comprendre la ville ressuscité ou CSS patron, ou CSS mafia, coquin, vous priez au pas venir crier dans le pied là pour la faire CSS, parce que nous ne connaissons pas résistance pièce CSS dans le pays. Je apprends à connaître que CSS mafia, bien Pierre-Joseph Polycap, avec Fritchal, l'ex-Ayo, qui a tourné porte-parole. Patron, yo peux pas ouvrir 1625 gouttes. Nous disons que nous-mêmes nous réclamons 1500 gouttes avec accompagnement social. À peine qu'on est bien, 1500 gouttes nous demandons, il n'est pas capable de chier la caille manger. Il connaît que 1500 gouttes là, il n'est pas capable même acheter des produits pour mettre dans le gazon la caille. Je le dis à nous-mêmes, à travers ce syndicat, nous demandons 1500 gouttes parce que je dis à, faut comprendre bien qu'il y a un taux d'inflation qui balance dans 24 à 26%. Je ne dis pas pour le prix produit pour nécessité. Ils ont doublé sous les ouvriers. Ils ont travaillé. Ils n'ont pas gagné rien encore. Et je ne dis pas nous trouver que M. Ariel Henry, à travers le gouvernement de facto là, moi, je vois qu'il est très conscient pour comprendre bien, pour quitter l'ouvrier, pour la rue, pour arriver là. Je dis à nous faire un pile sacrifice pour nous arriver là. Et tout autre salaire, il n'est pas ajusté. Dans 1500 gouttes, nous faisons commencer pour la rue. Nous faisons commencer à manifester, nous faisons commencer à bouleverser, nous taillons pour moi, tellement, nation. Je dis à nous venir là, nous venons porter dans les rangs pour briller au barou là. Je dis à nous venir voir un pink à barou. Si ça l'air, il pas ajusté dans 1500 gouttes avec accompagnement social. Demain matin, si bon Dieu veut, depuis à 5 heures du matin, tout ici dans la guerre, nous taillons devant le ministère des Affaires sociales. Voilà, nous t'attendons des déclarations, et Dominique Cassette-Éloi qui a annoncé gros mouvement pour matin. Et eh bien, dans le moment où on a parlé là, il y a un gros mouvement qui a fait, dans Port-au-Prince. Nous parlons fort vivre, comment la situation y est, matin, à côté plusieurs centaines d'ouvriers et pour la rue. National de Bimbavo et Rocha Bolivia Gabanoubaz. Et bien, vous avez gazé à nos gauches, vous avez trouvé la main de vous. On avance, levez-moi, nous allons. Vous pouvez faire des choses, vous pouvez faire des choses. Pour le seul match, je gagne les paroles. Et vous avez dit, vous avez gazé à la prochaine manifestation, chaque monde va faire le monde de temps. Merci à vous. C'est comme ça, cérémonie en matin, dans le moment où on a parlé là, c'est ambiance qui gagne sur l'aéroport à côté, il y a monté, on est capable de donner un moment où on a parlé là, manifestation presque arrivée en bas, route entre Kafou, aéroport, pour monter Delma, c'est là où on arrive en bas, pont, qu'on est là, il est sorti sur l'aéroport, on n'a pas connu, est-ce qu'il y a peut-être monté Delma, ou bien est-ce qu'il y a descendu à venir dans le centre-ville, dans Port-au-Prince, mais où plusieurs centaines de femmes mélangées avec garçons qui prennent la rue à côté que n'a pas recevoir de temps en temps information sur manifestation ça qu'a fait matin. N'a pas dans l'autre point de actualité en dossier insécurité gagné l'autre information qui gagné pasteur Sylvain Exantis mandé pour libérer pasteur Rémi Lochard qui n'a mis bandio depuis 6 février passé à jusqu'à présent yo pour que jamais libéré li yo te kidnappé pasteur Lochard dans zone Tabar 48 dans la commune Tabar dans Port-au-Prince. Président Fondation Rédemption Haïtien continue à dénoncer climat insécurité généralisée cap augmenté chaque jour dans le pays. Li rete kwè action kidnapping ça a gen awè ak situation politique qui gagne dans le pays. En tant de déclaration pasteur Sylvain Exantis. Sans être trop, je me parler à président fédération matin, gagne des actions, il n'est pas révélé qu'il mode d'action mais gagne des actions qui a entreprendre. Déjà
te voye note pour protester contre bagay sa. Nous consommons trop, il est là pour bagay sa suspend. Mais tout, situation d'insécurité générale pays, nous pas qu'à espérer qu'il va suspendre, qu'il va améliorer, si pas gagner un accord politique. Politique là pour beaucoup. Depuis crise politique la résoudre, eh bien les acteurs, il y a bien force pour attaquer question insécurité. Nous ciblons. Nous par contre pour qui ça? Même de profiter de tout qui a ciblé pasteur. Le pasteur, c'est un agent de développement. Depuis arriver dans une zone, il n'a pas fait qu'il chole. Parce que l'État a toujours pris responsabilité face à la communauté. Et les pasteurs, ils sont venus pour combler un vide. Gagné qui fait l'école, gagné qui fait un social, qui gagne orphelinat, qui prend soin de ces gens qui sortent dans la rue. Donc, c'est nous qui n'avons pas fait qu'il chole. Parce que l'État a toujours pris responsabilité face à la communauté. Et les pasteurs, ils sont venus pour combler un vide. Gagné qui fait l'école, gagné qui fait un social, qui gagne orphelinat, qui prend soin de ces gens qui sortent dans la rue. Donc, c'est des gens qui à côté de la communauté, qui viennent travailler pour la communauté, nous pas conseiller eux pour nous cibler. Parce que ils sont là pour nous. Ils ont même ils ont l'argent gouvernement en main. C'est ça que les frères et sœurs dans l'église abaillent, c'est avec eux les œuvres. Donc s'il vous plaît, nous-mêmes qui sommes pasteur au char, l'agé pasteur au char, en plus de pasteur, c'est un artiste qui contribue à la culture pays et qui élevait le pays d'Haïti à travers le champ. Moi, je crois que il pas mérité traitement ça, de Dieu, dans un tel niveau, pas mérité ça. Donc s'il vous plaît, relâchez pasteur le char. Négociation, yo, nous t'ai parlé avec un deuxième pasteur là, il est encore très difficile parce que il a demandé un bagage que pasteur n'a pas gagné. Madame pasteur a fait ses nettes, il est plus dans le jeûne et la prière. Bandio, il a frappé, il a percé un pote qui n'a pas gagné, ça a demandé. Donc, moi, j'ai demandé pour reconsidérer les positions yo, par rapport à la famille. Hein, parce que l'apparence souvent trompe le monde et pasteur le chat n'a pas gagné tout moyen ça. Yo. Si nous avons expliqué dans la vie en pasteur, il y a des gens tout naturellement qui rêvent en pasteur. Ou bien un pasteur qui a un paquet de bagages et puis encore il n'y a pas de l'argent. Depuis avant, il n'y a pas parlé. C'est ça que je m'apprends. Par contre, si je parle aujourd'hui, hein, mais depuis avant, il n'y a pas parlé. Nous avons des déclarations pasteur Exantus Sylvain qui t'a parlé sur le dossier de libération pasteur Rémi Lochard. Dans le dossier politique, il y a un dirigeant parti politique Gréa, ancien colonel de la force armée d'Haïti, Himmler Rebu, réagit sur le dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse. Il est estimé que le premier ministre Ariel Henry a dû faire une action en justice contre les gens qui ont accusé lui. Ça n'est pas pa impliqué dans le crime. Il y a une façon pour le retirer toute la soupçon qu'il a mis sous le dos. Si c'est pas ça, il n'y a aucun dialogue capable de faire avec le premier ministre haïtien. D'après ça, Himmler Rebu fait connaître. En tant que déclaration, il me l'a rébut. Yon moun yo accusé pa gen pou le prouver innocence li. Maintenant moun yo accusé a, s'il estime que accusé la tort, gen deux bagay pou le faire pour k'ap laver figil devant population an, et pour k'ap jwenn une réparation nan men moun ki accusé la. Par exemple, gen un série de journal à l'étranger qui peut des accusations qui extrêmement grave sous le docteur Ariel Henry. Li pa k'ap a dit c'est laboratoire. Parce que c'est vous-même comme personnalité directement y'a accusé, et y'a accusé comme complice dans l'assassinat au monde. Pire, dans l'assassinat d'un président qui était fait fin nommé au premier ministre. Donc, c'est pareil, t'as dans la radio, bien fait tweet, à dit c'est laboratoire. Parce que la loi prévoit qui ça pour faire. Ou moun pas capable d'avoir une grosse accusation comme ça sur l'autre monde. Maintenant, qui devra moun ça? Bien pour le test, tout simplement, pas une sommation pour lui rétracter sa dia, pour lui dire sa dia, c'était menti ou bien elle trompé. Et il y a un délai de temps de souffrance pour faire ça. Si moun n'a pas fait ça, kounyen ou attaquer en diffamation ou intenter un procès contre lui parce que lui dit sous ou un bagaille qui passe là. Maintenant, si vous pas fait ça, ou rete dans vous et monter dans la radio, ou l'autre monde, par exemple, moi-même, je vous dis, si Dr. Ariel Henry pas fait une action en justice contre mon gars accusé lui, mais même si nous ne voulons pas laver, nous ne voulons pas laver. Parce que je ne suis pas comme citoyen, mal chita m'a discuté à faire l'État avec un monde qui est capable de complice dans l'assassinat du président. Maintenant, ça, mon monde a dit, peut-être que je mal dit, parce que si je ne suis pas juge, le docteur. Donc, il va le marcher, il va le frapper pour le cas, tout le juge dit, mais moi, monsieur Dr. Ariel Henry, moi, je suis venu pour poser une question, non. Maintenant,
s'il connaît l'identité de culpabilité ou bien le coupable vraiment, laisse-le capable de faire dilatoire, plaider par un pile dans la radio à vous et tweet. Il ne va jamais faire ça, moi, dit, parce qu'il connaît, s'il fait, et puis l'entend, laisse-le mon yap, si mes preuves ou est-ce que nous avons accepté que nous avons dirigé nous, et puis soit c'est l'une complicité avec l'assassin? Ce n'est pas normal. Donc, position de Montana est correcte. Je dis dorénavant, si nous sommes obligés de parler avec vous, il faut faire un bagage qui fait nous si que nous ne pouvons pas parler avec un monde qui. Nous ne pouvons pas parler de pays avec un monde qui n'a pas complicité d'assassinat ou l'autre monde. Nous attendons des déclarations. Himmler Ribier, qui est ancien colonel de la force armée d'Haïti et qui est responsable en groupement politique qui peut non gré dans Port-au-Prince. Nous allons aller dans le département sud-est pays, hein, puisque situation presque tout côté dans le pays a gagné manifestation. Dans la ville Jacques Mel, Kaoutchoua boule plusieurs côtés dans la ville protestataire ont réclamé plus comme pour l'organisation carnaval national. Là. Nous allons ensemble avec nous souligner dans le correspondant nous Eli Lovis. Eli, bonjour, comment vous comment ville Jacques Melier qui est quelques jours auditeur de Pyramide du Patando, mais comment ça y est dans ville Jacques Melier aujourd'hui? Bonjour, Dimitri Sak, auditeur Radio Télé Pyramide. Bon, nous là, on est avec Jean-Pierre Yahi. Nous là, nous en santé, une fois qu'on est, pour l'autre capitaine, mais nous en forme. Et puis, depuis hier soir, pour vous, ville Jacques Melier, la connexion panique. Et Jean Oudini, Kaoutchoua boule en diverses directions, et barricades dressées. Pour le moment, on a parlé avec diverses écoles qui n'ont pas qu'à fonctionner la matin, obligées de libérer de chez nous. Et raison, c'est pas le fait. Donc, on est dimanche cabine là, c'est pas le 30e édition carnaval officiel Jacques Mel. Eh ben, et dans le temps passé, au conjoncture politique là, te permettre, Jacques Mel, t'es, yon en ville qui t'es, adoucir situation, hein, ça la cause, dès qu'on recevra plus l'argent, beaucoup de l'État. Et non, si nous avons parlé de carnaval, non, tant pas si Jacques Mel dit qu'on a besoin de 5 millions, il devine arriver 10 millions, mais il y a 3 années passées là, mais Jacques Mel, spécialement, c'est qu'on a 20 millions de gouttes, alors que il y a un ministère culte, quelque part, qui décompte subventionner le groupe sonore en ensemble de l'autre groupe, mais 20 millions qu'on vient de Méria. Mais pour année ça, c'est 10 millions actuellement là, Méria, qui est en possession libre pour capable d'organiser l'activité. Ça la cause, depuis hier soir, et association Masca Radio, qui ont même estimé, c'est eux-mêmes qui font ce carnaval là en fonction des œuvres ou produits, eh ben, ils ont fait mouvement ça, ils ont protesté, ils ont brûlé caoutchouc, ils ont simé la terre, juste pour capable de faire pression au côté gouvernement pour retourner sous décision ça. Mais parallèlement, dans l'information nous disposée, et puisque nous parlions avec le délégué départemental sud-est là, Pierre-Michel Lafontaine, nous fait nous connaître, et le groupe Masca Radio qui a fait mouvement, beaucoup au courant ça, mais c'est qu'il y a communication à côté de 10 millions de gouttes de Yagenamelan, là bien pour capable de subventionner personnellement le groupe Masca Radio, et il dit nous-mêmes l'information dans nous. À partir de 2h jeudi, qui c'est jeudi 17 février, il y a un chèque et le groupe Masca Radio qui a sorti dans le ministère qui tient la communication. Mais nous prenons, est-ce que le groupe Masca Radio, pourquoi au courant, qui est capable de la cause, il a fait montrer que c'est la situation qui était en ébullition dans le moment où on a parlé. Même si nous avons dit qu'il y a certains endroits qui sont fonctionnels dans la ville, mais principal, et route, et nous avons bien, grand Louisville, l'avenir Barranquilla, qui est ensemble de l'école, pour l'instant, ils paralysé, et même bureau l'État, ils ont des difficultés pour fonctionner, parce que nous avons constaté qu'il y a des gens qui étaient dans ligne pour aller dans BNC, on a été un roche à bouteille qui l'a planté, nous avons obligé de courir, parce que, et ils ont pas de courir, nous avons été dans ligne, mais ça fait tout le monde obligé de garder. Donc, nous sommes en ville actuellement là, en pile tension, avec panique. Bon, on a parlé. Et les dans ça que vous avec transport les paralysés qu'on y a. Alors non, et matin bien bonnet et transport il a fonctionné vers Jacques Mel et sorti Jacques Mel pour aller dans zone même là nous connaissons nous matissant des difficultés mais nous avons des machines de sorti Jacques Mel en direction Port-au-Prince. Mais pour le moment ça, il totalement des difficultés
et pour machine sortir dans zone Marico pour venir dans la caille Jacquel mais et comme station pour aller Port-au-Prince li pas dans ville là dans l'est ayo c'est dans Martin li dans centre ville là nous pas connait pour l'instant est-ce que machine y a possibilité parce que nous connait gain l'autre couloir mon n'était capable li rivé dans station hein, par rapport li trouver li dans zone bassin Caïman dans rentrée ville là et ben ça qu'arrivé et circulation Jacquel Port-au-Prince ça fonctionnel mais dans et circulation entre diverses villes qui collent au Caï Jacmel Marigoua pour l'instant Lyon li totalement perturbé. Et l'on connaît que qui ça carnaval national Jacmel là qu'on a représenté jeudi en ce jeudi c'est moment côté qu'on gagne gros travail sur avenue Bankia comment avenue en jeudi a. Alors contrairement à année passée dans l'instant totalement avenue Bankia en chantier pour le moment ça eh ben c'est zéro totalement zéro parce que pas gain ça si nous connaissons et entreprise soit dans capitale là qui convient pour capable faire location yon endroit quelconque pour capable bien construction stand eh ben nous capable de faire ce qui il y a dans le niveau bâtissant li totalement bloqué et même l'autre système qui est concentré qui dans ville là qui compte le même tout faire construction des stands. Dans le moment, on a parlé à beaucoup de ça, mais celle, ça nous connaît, sans officiel pour le KI, festivité, de la bien pour faire, parce que le ministère qui utilise, il prend engagement pour faire, et nous encore jeudi, demain vendredi, bon, et probablement, il y a fait toute les nuits, il y a un travail pour capable construire. Mais pour l'instant, pour qu'on ait même un mot sur le nous voyons qu'il y a fait. Sauf qu'on stand qui sont au grand Ouya, c'est un qui c'est secrétaire général de délégation de ça qui est en portion terre qui a proximité et là où il y a mais toujours constant liquidité qui toujours là sans ça donc on rappelait l'année dernière il était même boulé mais il est venu reconstruit et ben c'est à travers lui-même nous utiliser chaque dimanche pour capable accueillir pour défiler alors et activité avant carnaval mais contrairement pour l'obstacle pour qu'on gagne ça on capable de son ville et mon union a fonctionné. Oh, et après, il déjà prêt, en plus, mascarade déjà, et fini confectionné. Et en thème, dans ça, nous déconnons dans l'histoire, carnaval Jacques là, nous sommes dit dans l'Est, à jeudi, où nous déjà joué en pile, visiteur, hôtel, mais c'est bien malheureux, et capable bien quelques grands monde qui utilisaient l'avion pour venir ici, mais joignent en quantité de monde à venir, et c'est très difficile pour joindre ça, dans le moment ça. Eh bien, Eli, merci en pile. M'a Québec contact là. Si gagne l'autre détail, est toujours prêt pour informer nous. Eh bien, nous après c'est disponible puisque nous pouvons et venir de la police et dans le département de la direction départementale qui a gagné pour rencontrer la police qui est consigne par rapport à carnaval officiel la pour dimanche. Nous espérons dans les journées la possibilité pour nous bailler une information par rapport à ensemble décision bien saisie la police départementale sud qui prend par rapport à réalisation 30e édition carnaval Jacmel qui a fait sous thème Anessa ville Jacmel carnaval tout le temps.